Nous sommes le mardi 1er avril, il est tout juste 7h30. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et l'image du jour, tout d'abord ce matin dans cette édition, c'est la troisième nuit à Makala hier soir au Zénith de Lille. Autour du capitaine du LOSC, Rio Mavuba, des dizaines d'artistes, chanteurs, musiciens, danseurs, mais aussi des sportifs et des stars des médias étaient réunis pour son association Les Orphelins de Makala. L'animateur radio Koé, Mpo Kora, les footballeurs lillois Salomon Kalou et Vincent Enyema, mais aussi les bébés brunes, Skip de Hughes, Kamel le magicien ou encore Vita et Watibi, ils ont tous répondu à l'appel du capitaine du LOSC pour cette belle soirée caritative. 3 heures de spectacle et un zénith bien rempli avec un public aux anges. Les fonds récoltés hier permettront à l'association d'accueillir 8 enfants de plus dans l'orphelinat de Kinshasa au Congo. Adelaide Bollard était pour nous au zénith hier et on regarde tout de suite un petit extrait ou même plusieurs extraits du spectacle enregistré hier soir. C'est juste Autre image à la une en ce 1er avril et tout autre chose dans l'actualité, la fin de la trêve hivernale pour les expulsions locatives depuis hier. Et en réponse, ce rassemblement, hier à Lille, place de la République, du SAMU social, les militants de l'association se sont réunis devant la dalle des droits de l'homme afin de dénoncer la situation de dizaines de familles dans l'agglomération qui risquent, selon eux, d'être remises à la rue. Le SAMU social déplore l'insuffisance des politiques publiques quant à la mission d'hébergement de l'État. Il manquerait, selon leurs chiffres, près de 700 places dans l'arrondissement de Lille. 123 ménages sont directement menacés d'expulsion, de nouveau à partir d'aujourd'hui. En plus des 288 familles dont les demandes au 115 n'ont pas pu aboutir cet hiver faute de place. Le SAMU en appelle donc aux politiques pour la création d'hébergements d'urgence. Éric Delay, président de l'association à Lille, nous en dit plus au micro d'Adélaïde Bollard. Aujourd'hui, il y a de nombreuses places qui ferment sur l'arrondissement de Lille et que les personnes se retrouvent sans solution et donc se retrouvent à la rue. Elles reviennent à la case départ. En fait, la situation qu'elles ont connue en novembre dernier, elles la vivent à nouveau. Elles devront probablement attendre l'éventuelle prochaine veille saisonnière en novembre 2014 pour avoir à nouveau une place en hébergement. Ça touche les familles. Il y en a derrière moi là, qui sont des familles issues de la communauté rome. Ça touche des ménages, des couples, des isolés femmes et des isolés hommes. 7h33 en direct en ce mardi matin sur Grand Lille TV, l'actualité politique également dans cette édition. Et après des élections municipales pour le moins bouleversantes dans de nombreuses communes de l'agglomération, voilà cette synthèse simple concernant la communauté urbaine. Si la gauche a perdu vraisemblablement la présidence, la droite ne l'a pas encore tout à fait gagnée. Le jeu des alliances va maintenant décider de l'avenir de la LMCU et pour la droite, le rapprochement avec les maires des petites communes doit se faire rapidement pour espérer l'emporter. Mais la question de la personnalité à placer en haut de l'affiche reste quand même la priorité. Et c'est peut-être là le sujet le plus sensible, car la présidence de la communauté urbaine de Lille intéresse plusieurs maires et depuis longtemps, dont Bernard Gérard, Marc-Philippe Dobresse ou encore Francis Vercamer. Alors qui réussira le consensus et réunir la droite derrière son nom? Nous avons joint hier le maire de Marc-en-Barœul pour en savoir plus et avoir son sentiment. On l'écoute, Bernard Gérard, joint par Marion Villette. Moi, je présenterai ma candidature à mon groupe. Mais je pense que nul ne peut aujourd'hui avoir la prétention de présenter sa candidature et de demander que tout le monde se rassemble d'un seul coup autour d'une candidature quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas d'abord une grande discussion avec l'ensemble des formations politiques et des élus qui composent cette communauté. C'est la seule solution pour sortir de notre communauté urbaine du marasme économique dans lequel elle se trouve aujourd'hui. On a plusieurs challenges, que ce soit le logement, que ce soit la thrombose de la métropole dans laquelle on ne peut plus circuler, que ce soit l'emploi ou que ce soit la sécurité dans les transports.
Et puis on termine cette édition avec ce reportage en images en plein cœur de la semaine de l'équilibre alimentaire dans les universités. À Lille, cette année, les étudiants ont été invités à proposer leurs propres recettes pour manger de manière plus équilibrée, plus originale. Terminer les pâtes, les frites, les sandwichs. Hier midi, les étudiants ont pu profiter d'un filet de saumon rôti avec riz sauvage, courgettes, poivrons rouges, le tout arrosé d'une sauce aux oignons et huile de pépins de raisin. Et toute la semaine, le RU, donc le restaurant universitaire, va cuisiner les recettes proposées par les étudiants eux-mêmes. 10 ont été sélectionnés en fonction de leur originalité par Internet, Facebook, et tous les étudiants vont voter cette semaine. À la fin, la meilleure recette sera désignée. Explication avec le témoignage de certains de ces étudiants qui ont pu donc goûter la première des recettes au micro d'Idil Gunaï. C'est une bonne surprise, c'est agréable de voir un petit peu ce qu'on peut faire, ce que peuvent faire les étudiants, et c'est vachement bon. J'ai l'habitude de manger équilibré, mais on va dire qu'au RU, des plats aussi bons que celui-là, c'est un peu rare, c'est un petit peu dommage. Mais pour une fois, c'est vrai qu'un bon repas comme ça, ça fait toujours plaisir. Ça va sûrement permettre de manger plus équilibré que ce qu'ils font d'habitude. Franchement, c'est pas tout le temps extraordinaire. Au niveau de la cuisson, c'est parfait. Le saumon est vraiment délicieux. La sauce, elle est très bonne. Et puis, des petits plats comme ça, ça fait plaisir en pleine période de révision. Ah, c'est la fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. L'info revient dans un instant avec la météo et l'infotrafic. Nouveau point sur l'actualité à 7h45. Très belle journée à toutes et à tous.